Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la plateforme nous qui c'est Filioka. C'est un plaisir pour nous capables de porter pour vous une nouvelle vidéo. Je dis à la vidéo ça, nous prenons porter pour liste 28 joueuses que Gonzalves lui mettait dehors pour capable de jouer une double confrontation contre l'équipe cette qui Tenevis. Nous avons pour nous tout 11 de 1 à Kema qui sorti avec la présence de deux internationales haïtiennes. Il s'agit de Melchidayel Dumonet et Nerlia Mondésir. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Nous allons parler foot. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour attention. Merci parce que toujours branché Filioka ou toujours regardez vidéo nous. Les regardez vidéo nous, c'est façon ça ou aider nous. Et vous mettez un like ou encouragez nous. Faites un commentaire, c'est ça net. Donc, vous montrez que vous encouragez le football haïtien lui-même, vincez. J'ai que nous t'ai annoncé un titre. Frédéric Gonzalves, qui est même arrivé dans la tête sélection haïtienne féminine senior dans la pas longtemps, est déjà dirigé un match dans la tête sélection nationale senior féminine. Non, côté que nous t'ai battu Costa Rica 1-0 avec un goal de Nerlia Mondésir suite à qui on passe de Rose Lobojla. Eh bien, mesdames, messieurs, pour moi, octobre, là, Haïti, pour le gain, pour disputer deux matchs contre l'équipe cette qui Tenevis. N'a pas gagné pour nous déplacer pour la caille Saint-Kitts et n'a pas gagné pour nous recevoir l'équipe Saint-Kitts. Mesdames, messieurs, match Sayo, il y a fait dans le cadre éliminatoire Gold Cup 2024 qui a gagné pour le fait dans le pays les États-Unis à partir de fin mois février pour entrer dans le mois mars 2024. Donc, Haïti l'a très très préparé pour capable, eh bien, ouais, pour le jouer un billet pour aller dans la compétition. Si là. Dans ce sens, Frédéric Gonzalves mettait en liste 28 joueurs d'ailleurs pour capable et eh bien préparer leur double confrontation si là. Comme gardien de but nous gagnons Naomi Amboise, Carly Théus, Rosemani Joseph. Donc c'est trois gardiens de but ça que Frédéric Gonzalves lui-même relé pour capable venir faire préparation si là. Comme défenseur, nous avons Ketna Louis qui a joué dans Montpellier. Chelsea surpris, Amandine Pierre-Louis, Chloé Joseph, Mylène Raquel Pierre-Jérôme, Joran Laporte, Tabitha Joseph, Déborah Bien-Aimé, Estericov Joseph, Bettina Petit-Frère, Josephine Vanuxim, Routine Marturin. Donc c'est ensemble défenseur ça y est. Gonzalves lui-même lui est convoqué. Nous allons passer pourquoi il est là au niveau milieu de terrain pour nous commencer à les mêmes liés. Pour les milieux de terrain, nous avons Charlie Jeudi qui a joué dans Lens, Daniel Etienne qui a joué dans Citadel Bulldogs, gagné Megan Saint-Cyr, Modeline Moril, Grenoble Foot 38, Melchidayel Dumonet qui a joué dans Olympique Lyonnais. Et puis nous avons Diana Pierre-Louis qui lui-même a joué dans RC Lens. Donc c'est ensemble milieu de terrain ça y est. Que Gonzalves lui-même lui fait appel. Et puis pour les attaquantes, nous avons madame monsieur Rose Lobojla qui a joué dans Le Havre, Batye Baloui qui a joué dans FC Fleury 91, Chelsea Domont. Donc c'est un nouveau venir qui lui-même a joué dans Panathinaikos. Donc Nerlia Mondésir qui a joué dans Montpellier, Chwendeski Marcellus Joseph qui a joué dans Zenit Saint-Pétersbourg dans le pays de la Russie. Nous avons Florcy Darlina Joseph Cabrina Olympique de Marseille. Et puis, il y a Paola Eli Blue Cabrina lui-même dans Syracuse University. Donc, mesdames, messieurs, c'est 28 joueurs ça yo que Gonzalves lui-même les poils gagnent pour le travail avec eux et pour capable préparer double confrontation. Ça, probablement, c'est une liste qui pourra être capable réduire. Donc, après préparation, mesdames, messieurs. Comme nous connaissons, Haïti lui-même, les papes recevoir match dans le pays République Dominicaine encore, suite à la tension qui gagne entre deux pays. Ça y est, Haïti, li, pourquoi le recevoir match du côté de Trinidad? C'est ça que la fédération lui-même a annoncé pour sélection masculine senior. Côté que Haïti lui-même, les pourquoi le gagner pour recevoir l'équipe jamaïcaine. Dans le mois octobre, ça la même. Maintenant, est-ce que, mesdames, messieurs, c'est là tout? Donc, l'équipe féminine a gagné pour recevoir match. Donc, jusqu'à présent, nous, pour qu'on connaît,
eh bien si que fédération elle te prend plaisir de les aller en République dominicaine dépenser en pile l'argent à peu près 10 000 dollars américains pour capable recevoir un match football, yo te préféré faire ça au lieu yo arranger Parc Saint-Victor pour que l'état capable eh bien recevoir des matchs football. Eh bien journée aujourd'hui là, mais un dossier qui vient présenter Rock sélection hein, lui pas capable recevoir l'autre bord hein, eh bien nous obligé chercher yon l'autre siège. Donc nous souhaiter bonne chance avec les Grenadiers pour être capable de jouer une qualification pour la Gold Cup 2024. Donc c'est pour la première édition hein. Donc si que football Gold Cup pour messieurs yo la fête depuis bien longtemps, eh bien et mesdames yo, c'est pour la toute première édition hein. Eh bien nous souhaitons que Haïti lui-même la capable de jouer une qualification pour première édition si là. Et puis mesdames messieurs, parlons à présent de Melchida El Dumoné et Nerilia Monésir, donc deux joueuses qui ont évolué dans le 1 Akema pendant le week-end passé. Ils étaient vraiment au rendez-vous avec Lyon qui était battu équipe Girondins Bordeaux en 4-0. Côté que Melchida El Dumoné lui-même lui était marqué premier goal ça dans un contre à la 24e minute de jeu. Il était provoqué un penalty. Eh bien, Melchida El Dumoné il était sorti comme étant meilleure joueuse match football si là. Eh bien, mesdames, messieurs, Melchida El Dumoné il est présent. Nan 11 de 1 Akema, c'est le 4 tour pour bien Nerilia Mondésir qui lui-même t'a marqué un goal pour équipe Montpellier contre équipe en avant Guingamp. Donc Nerilia Mondésir lui présent dans 11 si là. Donc Nerilia lui présent comme étant ailier droit et Melchida El Dumoné lui présent comme étant milieu de terrain. Rapidement on présente aux 11 joueurs sa yo. Comme gardienne nous gagnons Semik qui a joué dans Reims. 4 défenseurs aussi. Et à gauche, Kachaki, Paris Saint-Germain. De Almedi Meida, Paris Saint-Germain toujours. Et puis nous gagnons Rena qui a joué dans Lyon. Raban qui a joué dans Lille. Comme milieu de terrain, nous avons Wout qui a joué lui-même dans Lille. Dumaï qui a joué dans Olympique Lyonnais. Ribeira qui a joué dans l'équipe Lille. 3 attaquants. Nous avons Nerilia Mondésir à droite, Fleury dans l'axe, c'est joueuse Paris Saint-Germain, et puis gagné Ribedeira qui a joué lui-même dans l'équipe Paris Football Club. Donc c'est 11 de 1 à Kema. Donc c'est quand même extraordinaire parce que nous avons la présence de deux internationales haïtiennes. Toujours nouvelle concernant le football haïtien, surtout bon côté mesdames yo. Donc il y a Roselyne Héroissin qui est même blessé. Roselyne Héroissin qui a passé plusieurs mois sans que lui pas joué au football. Donc c'est quand même un coup dur pour notre sélection nationale. Donc voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. On a quitté avec goal Melchida El Dumoné lui même lui marqué pendant le week-end pour l'équipe Lyon. Du moins, c'est pendant le week-end qui souhaite passer là. Récupéré par l'attaquante lyonnaise pour Amel Majri. Zenifer Marouzane. Le crochet de l'Allemande. Majri est dans un second temps. Et Gurola. Oh, la frappe de Damaris et Gurola. Et Melchi Dumoné a suivi pour inscrire le premier but de la partie. Après 24 minutes de jeu, il était bon. L'arrêt de Justine Leroux, mais ça n'a pas suffi. Lyon passe devant, ça fait 1-0. Dumoré a marqué. Que c'est dur, hein. Que c'est dur pour Justine Leroux, parce que l'arrêt juste avant était magnifique, mais elle n'est pas suivie par sa défense. Et Melchi Dumoré, là, est là, en tant que numéro 9, elle qui a plus l'habitude de jouer au milieu de terrain sur un côté, mais là, une vraie renarde des surfaces, hein. Elle est là pour reprendre le ballon. Ça manque de concentration, hein, notamment de la part d'Hilary Diaz, qui n'est pas vigilante, hein. Qui est là en train de regarder la frappe et l'arrêt de sa gardienne plutôt que de jouer le second ballon. Récupéré par l'attaquante lyonnaise pour Amel Majri. Zenifer Marouzane. Le crochet de l'Allemande. Majri est dans un second temps et Gurola. Oh, la frappe de Damaris et Gurola. Et Melchi Dumoré a suivi pour inscrire le premier but de la partie. Après 24 minutes de jeu, il était bon. L'arrêt de Justine Leroux, mais ça n'a pas suffi. Lyon passe devant, ça fait 1-0. Dumoré a marqué. Que
Que c'est dur pour Justine Auron, parce que l'arrêt juste avant était magnifique, mais elle n'est pas suivie par sa défense. Et Melchie Dumornay là, et là, en tant que numéro 9, elle qui a plus l'habitude de jouer au milieu de terrain sur un côté, mais là, une vraie renarde des surfaces. Hein. Elle est là pour reprendre le ballon. Ça manque de concentration, hein, notamment de la part d'Hilary Diaz, qui n'est pas vigilante.